Direction le parc de Maison-Blanche pour le coup d'envoi du Festival des Arts Éphémères. C'est la 5e édition de cet événement, toujours aussi surprenant. Le concept, une balade dans ce parc à la découverte d'œuvres d'art. À côté des pieds nus des visiteurs dans l'herbe verte, une sculpture rose semble évoquer la féminité. Une grande partie d'entre elles sont réalisées à l'occasion, ici, in situ, comme on dit, en situation, hein, et n'auront pas d'existence au-delà des 3 semaines des arts éphémères. Et ensuite, le parc reviendra aux promeneurs, les œuvres disparaîtront. C'est un projet participatif auquel artistes et étudiants ont travaillé pour présenter des œuvres très diversifiées. Donc l'installation, c'est une dizaine de poutres que j'ai retravaillées avec disqueuses, tronçonneuses, tous mes outils de sculpture pour en faire une installation de palmiers. En fait, c'est un simulacre de palmiers. Et donc ensuite, je les ai brûlés et j'ai travaillé aux Beaux-Arts de Marseille avec 2 étudiants. Le Festival des Arts Éphémères, c'est à découvrir jusqu'au 13 juin.